comme ça un peu je l'avais retrouvé en quelque part. Puis tu sais, c'est pas passé tellement de temps entre le moment qu'elle nous a quittés puis quand je suis venue faire le tatouage. Mais c'est vraiment ce sentiment-là de faire, OK, ma fille, c'est comme si elle, d'une façon ou d'une autre, elle m'était revenue. T'sais, parce qu'elle était tout le temps collée sur nous, elle était tout le temps, puis là, elle est en moi, mais sur moi, on dirait que je me sentais un peu plus complète. Elle est dans mon cœur, elle est sur moi. Puis tu sais, quand on est collés ensemble, c'est comme si elle était là parce qu'on l'a tous les deux ensemble. C'est vraiment tout ça, on l'a tous les deux ensemble. Les gens qui nous voient, ils la voient encore parce qu'elle fait toujours partie de nous. Ça fait qu'elle est encore un peu là. Nous, on n'aurait pas parlé autant de notre fille à des étrangers si on n'avait pas eu cette photo-là. Ben, j'appelle ça quasiment une photo, c'est un tatouage, j'imagine, tu sais. Mais on n'aurait pas autant parlé, on n'aurait pas. Tu sais, on se promène pas sur la rue pour dire, hey, moi, j'ai vécu telle épreuve. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on porte, qu'on la porte sur nous qui amène les discussions. Ça, par ça la garde vivante, et pour nous autres, c'est important de la garder vivante. C'est son histoire, c'est comment on vit, comment on l'a vécu, ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle a changé dans nos vies, ce qu'elle peut changer dans la vie des autres. T'sais, puis au départ, on pensait pas quand on s'est fait tatouer, là, c'est un peu égoïste dans le sens de. On la voulait sur nous, on la voulait, on n'était pas conscient du chemin que tout ça était pour nous faire faire. Du chemin dans notre deuil aussi, que c'était pour nous faire faire. On n'était pas conscients de tout ça. Ma fille, je l'ai perdue une fois. Mais ce tatouage-là, je ne le reperdrai pas. On peut pas me l'enlever.